Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. Bienvenue dans le JT de la grosse émission, beaucoup d'actu. Très peu d'infos. On ouvre tout de suite ce journal avec l'événement du jour. Une fusillade a fait plus de 50 victimes dans une boîte gay à Orlando. Le FBI serait toujours à la recherche du cerveau de cet attentat. À mon avis, ils peuvent chercher un petit moment pour retrouver un cerveau. Là, à mon avis, il va pas en avoir des masses. Hein. Ouais. Je suis Orlando. Non, non. C'est vous, Orlando? Mais alors attendez, attendez, c'est qui le mec qui se fait passer pour Dalida, le frère de Dalida depuis des années? Ah, mais ça c'est Michou, ça n'a rien à voir. Ah ouais. Mais comme on se ressemble un peu, du coup... C'est pour ça. Complètement, on me confond. Euro 2016. La Belgique affrontera l'Italie vers 16-17h. 16-10. C'est pas 21h le match de foot? Le match de foot? Ah ben ça, j'en sais rien, moi je parle des supporters là, hein. Ah d'accord, ok. Ah ok, ça y est. Et bah, du coup, allez les bleus. Allez les bleus. Les bleus. Que par rapport... Rapport au coup. On les... Boum. Voilà. Oh, pardon. Calmez-vous. Allez les bleus. Voilà. Allez les bleus. Ouais, on a compris. Afrique du Sud. Oscar Pistorius sera bientôt fixé sur sa peine. Ah bon? Il est plus fixé sur sa chaise. Attendez, le téléphone sonne, Patrick. Oui. Allô. Ah d'accord, oui, je vous le passe. Patrick, c'est une association de défense des handicapés. Il souhaiterait voilà, vous parler suite à votre intervention sur Oscar Pistorius. Mais non, sans doute pour me féliciter. Je sais même pas ce que je vais dire à la Légion d'honneur. Je verrai, j'improviserai. Ouais. Lui-même. Oui, bah c'est bon, c'était une vanne. C'est pas... Oui, bah c'est... Oui. Oui, bah c'est bon, hein. Disons, t'arrêtes de gueuler, René. Oui, bah, et bah calme. Non, mais, de toute façon, je capte pas. Voilà. Hein, là, je passe sous un bureau. Voilà, simplement. Voilà, donc c'est bon. Voilà. Alors? Je leur ai fait le coup du mec qui capte pas. Pas fin, les mecs. Hein. Oui, peut-être, mais vous êtes toujours en ligne, là, Patrick. Oh, là, merde, oui, oui, bah ça va couper, j'ai plus de pièces. Voilà, j'ai plus de pièces. Hein? Voilà. Je leur ai fait le coup de celui qui a vu de pièces. Oui, mais là, il vous voit, là. Par les petits trous, alors. Astuce. Selon une information parue dans le quotidien Le Parisien, aujourd'hui en France, déménager à vélo, c'est possible. Et selon une déduction personnelle parue à l'instant, c'est possible, mais ça doit quand même être bien chiant. Encore une belle analyse, Sylvie. Merci, Francisco. Astuce toujours. Messieurs, pour avoir de beaux abdos sur les plages cet été, n'oubliez surtout pas votre grillage. Ah. C'est beau. Très pratique. Ils sont beaux, hein, ils sont beaux. C'est exact. Une photo de mariage de mes parents. On les embrasse. Fatigue. Je ferai bien une pause, moi. C'est vrai, hein? Ben voilà. Oh, moi aussi. Allez. C'est cool, hein. Mais alors, du coup, on la voit où, la photo? Comment on fait? Ah bah, sans doute pareil, par les petits trous. Ah. Vous êtes bien. Oh là là, c'est beau, la technologie. Non, c'est du plastique, ça. Miracle de la nature. En Tasmanie, des habitants ont découvert une toile d'araignée qui s'étend sur plus de 800 mètres. Tout de suite sur place, un reportage d'Emmanuel, mon beau-frère. Emmanuel, hein? Vous nous entendez? Ah oui, alors je vous entends, mais là je peux pas vous parler parce que je suis en train de faire le ménage. C'est dégueulasse ici, il y a de la toile d'araignée partout, hein, et moi je peux pas recevoir les téléspectateurs dans ce taudis. Voilà, donc je vous appelle quand j'ai fini, mais là... D'accord, on vous souhaite bon courage. Oh, bah, Emmanuel, oui. Mon beau-frère. Voilà, c'était Emmanuel, mon beau-frère, en direct de vers la plus grande toile d'araignée du monde. D'accord, merci. D'accord, merci. Voilà. Merci qu'il est... C'est vraiment une fille et une fée du logis. Et c'est malheureusement la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. C'était Céline Groussard. Et Patrick Chanfray. Tout, n'oubliez pas que pour faire du beatbox... Il faut déjà trouver des gants à sa taille. Rapport à la bite. Voilà, allez, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Et smiley à vous.